Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo mes résolutions pour cette année 2020-2021. J'avais déjà fait cette vidéo l'année dernière, je voulais faire une vidéo update, mais vu que l'année elle a pas duré toute l'année, enfin c'est bizarre, genre il y a eu le Covid, donc il y a eu 6 mois, on allait 6 mois en cours, du coup ça servait un peu à rien. Donc là je vais refaire cette vidéo, l'année prochaine je vais faire un update je pense. J'ai marqué toutes mes résolutions dans ce petit carnet, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti. Juste avant que la vidéo commence, je vous filme cette séquence plus tard parce que j'ai reçu des lumières de la marque Ideal Life. En gros, c'est des lumières que vous pouvez mettre dans une piscine et tout ça. Je vais vous afficher quelques photos. Et donc, en fait, ça, c'est des lumières que vous pouvez mettre partout. Donc, vous en recevez deux quand vous les avez commandées. Je vous mettrai le lien en description. Ça se commande sur Amazon, donc c'est deux lumières comme ça et ça marche avec des télécommandes. Je les ai mis derrière pour faire montrer, donc il y a deux télécommandes, une pour chaque lampe, mais si vous les mettez assez proches, donc comme ça, ça, une télécommande gère les deux lumières, c'est assez puissant, vous pouvez faire plein de modes et tout. Je vais essayer de vous faire montrer ça. Je vais éteindre la lumière, comme ça vous allez voir. On n'est pas dans le noir complet, on peut gérer la lumière si on la veut plus ou moins forte et tout ça. Il y a ces couleurs là, attendez, je vais enlever les lumières. Il y a ces couleurs là, les piles pour la télécommande sont fournies, mais les piles pour l'appareil, donc ces trois piles, grosses piles, je sais pas comment on appelle ça, qu'il faut mettre, ne sont pas fournies. Du coup voilà, c'était juste pour parler de cette marque, le lien est en description. Et je vous laisse du coup avec la suite de la vidéo, c'est parti. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à se suivre sur mes réseaux sociaux, donc qui s'affichent à l'écran. Et on va commencer la vidéo. J'ai recadré un peu, normalement c'est mieux. J'ai plein d'idées de vidéos pour septembre et octobre. Vous allez voir. La première résolution, c'est de faire des fiches Bristol, calligraphie. Je vous affiche quelques photos de fiches Bristol que j'aimerais faire. Je pense que je vais faire exactement comme ça parce que déjà que moi, je trouve que j'écris mal. Alors, si en plus j'arrive à faire ça, alors là, vraiment, il me faudrait un trophée. Hein, le trophée du meilleur écrivain pour écrire. Genre pas pour écrire des histoires, mais pour écrire de la calligraphie, je crois on dit. J'aimerais beaucoup faire ces fiches Bristol parce que déjà quand t'écris ça me permet moi d'apprendre, genre c'est pas en entendant et tout ça, ça me fait rien du tout, c'est vraiment en écrivant que ça me fait apprendre, c'est pour ça que je fais des fiches Bristol et tout ça. Pour les fiches Bristol je vais prendre des fiches A4, donc c'est, je vous avais fait montrer dans ma vidéo présentation des fournitures scolaires, je vais prendre celle-ci, les couleurs, donc je vais les trier. Dans ma vidéo présentation des fournitures scolaires bureau aussi j'avais pris des grandes feuilles et je vais également utiliser celle-là. Deuxième résolution, c'est d'avoir un cahier en ordre, en gros c'est un cahier rangé, pas trop de dessins, il y aura forcément des dessins. Mais pas trop de dessins, qu'ils soient assez bien rangés, qu'il n'y a pas trop de feuilles volantes. Normalement dans tous mes cahiers il y a un truc au début, à part pour le cahier d'histoire on peut ranger les feuilles. Et bah je vais essayer de les utiliser, enfin cette année je les utilisais déjà. Donc normalement cette année ça va aller. Par contre c'est pour l'histoire, à chaque fois c'est l'histoire, il y a le plus de feuilles. Mais ils vendent pas de cahier de 190 pages avec des trucs au début hein, parce que déjà c'est hyper lourd. Je comprends même pas pourquoi il nous faut acheter des cahiers aussi lourds. Troisième résolution, c'est avoir un bureau rangé. Parce que mon bureau, il est là. En ce moment, il est rangé. Hein. Je vous promets, je vous ai affiché une photo. Il est rangé, mon bureau. Mais, quand il y a cours, je range jamais parce que je suis trop fatiguée le soir. Du coup, je ferme mes cahiers, je ferme mon sac et je laisse tout le bazar que j'ai mis. Des fois, j'oublie des affaires. Je vous promets, des fois, un jour, j'ai cru qu'on m'avait volé ma gomme. Alors, je l'avais juste laissé sur mon bureau. J'ai également vu que quand votre bureau est rangé, quand vous rentrez le soir, ça vous permet d'apprendre, enfin, ça vous donne envie d'aller faire vos devoirs beaucoup plus vite parce que vous n'avez rien à ranger, vous avez juste à poser vos affaires. Également, pour mon ordi, j'ai un truc spécial. Comme ça, je n'aurai pas besoin de mettre mon ordi sur mon bureau, ça me fera plus de place. Ou je pourrais mettre mon ordi sur le côté. Vous verrez dans une vidéo, je ferai un room tour bureau. J'ai vraiment eu des idées en ce moment. Je vais faire un room tour bureau début septembre et je vais vous présenter tout ça. Début septembre. Quatrième résolution, c'est de faire, enfin d'être organisée, donc faire mes devoirs en avant. Je dis ça chaque année, hein, ça tient deux semaines ce truc. Je sais pas comment vous faites ceux qui arrivent à faire leurs devoirs un peu à l'avance. Quand ça m'arrive, ça me fait du bien. Mais un bien fou. Alors là, j'ai présenté un peu mes résolutions scolaires. Il y en aura quelques-unes après. Là, je parle aussi résolution de mon temps libre pendant les cours. Et donc là, c'est une résolution, essayer de mieux m'habiller. Je me suis vraiment marqué ça. Parce qu'en fait, j'ai acheté plein de nouveaux vêtements. Je vais faire un haul.
fin août, je vais faire une vidéo, un petit haul, enfin un gros haul. Il va durer assez longtemps, je pense, parce que j'ai acheté plein de trucs. Et donc, dans ce haul, je vais faire montrer plein de nouveaux vêtements et j'essaie de mieux m'habiller. Parce que genre, là ça va, genre c'est les vacances, je m'en fous un peu de ce que je porte. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois je porte des trucs, c'est pas moche en soi, mais ça va pas ensemble. Parce qu'en fait, le matin, quand je prépare mes affaires, quand j'oublie de le faire le soir, ça m'énerve, je prends n'importe quoi et tout. En plus, moi, selon mes heures de cours, je vais m'habiller. Par exemple, un mercredi, ça peut être une catastrophe parce que c'est une demi-journée. Alors que limite, le mercredi, tu croises plus de monde que toute la journée. Ensuite, des fois, le jeudi, par exemple, si je finis à 16h, ah bah alors là, je vais mal m'habiller aussi. Hein. C'est quand je finis à 17h, je serai bien habillée. C'est bizarre, mon cerveau. Dites-moi si vous faites ça aussi dans les commentaires. J'espère que je suis pas seule, hein, parce que alors là, c'est vraiment que j'ai un problème. Sixième résolution, c'est d'apprendre mes cours. Moi, j'apprends mes cours, hein, mais plus profondément. Parce que là, j'avais 15 de moyenne. Je vous promets, début 6ème, je voulais avoir 16 de moyenne au moins dans un trimestre dans ma vie. Là, c'est la 3ème. Je pense que c'est possible si on travaille beaucoup. Mais moi, j'aime bien travailler, mais un minimum, quoi. Si tu me fais travailler plus de 2 heures, ça m'énerve. À part si je fais des pauses, ça me va. Et les pauses, elles durent plus le temps. Genre, comment dire ça? Mais les pauses durent plus de temps que le temps que j'ai travaillé. Donc, c'est des bonnes pauses, vous comprenez? Du coup, mieux apprendre mes cours, ça serait bien. Septième résolution, c'est de faire une vidéo par semaine sur YouTube. Ça, c'est possible. Parce que le truc qui me prenait le plus de temps dans une vidéo YouTube, c'est chercher l'idée. C'est la première place. Hein. Après le montage et tout ça, c'est chercher l'idée. Oh, qu'est-ce que c'est long, ce truc de chercher l'idée. Tu copies un autre youtubeur, pas de problème. Mais chercher l'idée de vidéo, par exemple, là, cette vidéo, je l'ai vue sur d'autres youtubeurs avant. Mais fallait que j'écrive mes résolutions et tout, donc fallait que je la prépare, la vidéo. Mais là, en septembre, normalement, vous aurez une vidéo par semaine le week-end. Je sais pas quand. Enfin, je sais pas quand, genre, je sais pas si ça sera le vendredi, le samedi ou le dimanche, mais vous aurez une vidéo par semaine. J'ai trouvé plein d'idées. J'ai 24 idées de vidéos. Faudra que je trie pour voir celles que je mets quand. Où normalement ça va aller jusqu'aux vacances d'octobre et après j'aurai d'autres idées de vidéos que je vais peut-être faire en février, hein, de 2021, s'il y a 2021, parce que peut-être qu'en fin 2020 il y aura une explosion de la Terre, on sait pas vu comment ça se passe en ce moment. Imaginez, c'est la fin du monde en fin 2020. Prochaine résolution, c'est de regarder un épisode de série par semaine minimum, parce que en fait j'ai remarqué avant le confinement, chaque soir je regardais une série, c'était devenu un rituel. Mais après, au début, je faisais pas trop parce que je me couchais assez tôt, genre vers 21h30, j'étais au lit. Mais maintenant, j'aimerais me coucher vers 22h, 22h15, parce que j'aimerais profiter aussi de mes soirées, on va dire, parce que je travaille déjà, je finis de travailler, il est peut-être 19h, je suis rentrée vers 17h15, donc faire d'autres choses que travailler, après aller se doucher, aller dormir, aller se réveiller, aller travailler encore une fois. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'en ce moment, j'adore regarder des séries, du coup, c'est pour ça. Et dernière résolution, j'ai mis, c'est comme elle de l'année dernière, c'est de profiter. Parce que déjà, c'est ma dernière année au collège, je passe en troisième, j'ai mon brevet, il y a du Covid. Ah, j'ai une question. Dites-moi en commentaire, est-ce que c'est obligatoire le masque dans les cours? Parce que j'ai vu plein de trucs en mode, ça va être obligatoire pendant même tous les cours, même quand il y a la distance, parce qu'ils vont plus respecter les distances, enfin je sais pas trop, j'ai rien compris. Dites-moi si c'est obligatoire, parce que ça se trouve, ça sera dans chaque collège, aura... Par exemple, il y aura un collège où ça sera obligatoire, un autre pas obligatoire. Mais j'espère que ça sera pas obligatoire le masque pendant les cours, genre pour les récré, ok. J'ai de la salive qui se fait. Et mais pendant les cours, non, hein, parce que alors là... I don't have envie d'avoir chaud. Imaginez transpirer de la bouche, un truc qui m'est encore jamais arrivé. Bah si je vois ça en 2020, mon corps là, il tient plus. Hein. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, à vous abonner. Abonnez-vous, c'est très très important. Et à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram surtout. Et je vous dis bye à une prochaine vidéo. Bye!